During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together. Nap salye tout moun ki ap gade koz de sante. Nan mwen se Dr. Naomi Merville, nurse practitioner, yon past president Hana. Avek mwen mwen genye de guest spesyal, Dr. Joseph Durandis. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir encore pour nous là avec Anna, pour nous faire un petit parler de santé et pour la communauté. Et puis l'autre guest spécial nous gagne, c'est un membre solide, Sandy L'Espinasse. Sandy? Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi là jeudi. Hein? Sandy, c'est un critical care nurse practitioner. So lise yon na infirmière yo, lise yon na nurse practitioner na association hein, ki ap pran soin moun na communauté hein, tout. So je di avant nous même commencer, madame présidente Rose Valsin, voye yon salutation spéciale avec nous tout ki ap gade parce que li pat ka la jeudi a, mais li voye yon salutation spéciale avec tout fan cause Hana. Cause de santé avec Hana of Florida. Mais avant de commencer même, nous connaissons que malgré que le numéro COVID-19 virus descend, malgré qu'il n'est pas mandatory pour nous mettre des masques, mais toujours il y a un problème, toujours il y a l'autre issue that's going on with COVID-19. So, Dr. Durandis, je connais tout à fait dire audience là exactement update de ça qu'a passé. Bon, comme on connaît premier bain pour mon yo connaît c'est que COVID là est toujours là. On connaît si feu descend en pile et surtout n'a regarder l'hôpital, c'est pas même gens qui en pile monde qui admettent mais toujours gain monde. Par exemple, je dis même on continue à pour monde qui l'hôpital qui gain COVID et dans niveau clinique tout. Il y a des gens qui viennent. Et il faut nous dire que il y a un pile d'avancement qui continue à faire dans le COVID. Par contre, la dernière fois, nous n'avons pas parlé de ça. Mais il y a un médicament qu'on a, qui est le Paxlovid que nous utilisons, qui sont des tablettes que nous avons prises pour 5 jours, 2 fois par jour. Surtout, les gens qui ont fait le COVID qui a empêché que le malade grave ou bien pour l'hôpital. Et nous connaissons le vaccin toujours là. Et il y a une recommandation pour les gens qui ont certaines conditions chroniques pour prendre un deuxième booster. Et nous connaissons un peu qui prend un booster déjà, mais nous connaissons tout. Il y a un peu de côté, surtout en Europe et puis en Chine, il y a des cas qui commencent à remonter. Pour qui ça? Parce que pendant que tout le monde a descendu ici, il y a l'autre variant qui continue à faire et il y a des gens qui continuent à infecter. Mais le fait que il y a un pile monde qui est infecté déjà et il y a un pile monde qui prend un vaccin, ça vient créer une immunité qui gagne dans la population en général qui fait que cas n'est pas aussi grave même avant, mais ça pas empêcher pour nous dire que nous devons toujours prendre précaution. Les gens qui ne peuvent pas vacciner, tant pis à le vacciner. Nous, presque sous 2 ans, nous devons tout ça qui dit sous vaccin, tout. Nous, ce n'est pas vrai. Nous, nous pouvons mourir, tout le monde prend un vaccin sans problème. Donc, nous encourageons les gens qui peuvent prendre un vaccin pour prendre. Et surtout, nous avons une pensée spéciale à les gens qui connaissent les familles ou bien les amis pendant la période de COVID. Il faut dire aux États-Unis, ça pourrait faire presque 1 million de gens qui mourent de COVID. Et si vous regardez la Floride à côté de Vivla, il y a à peu près 6 millions de gens qui sont infectés avec COVID, qui c'est à peu près sous table moitié population haïtienne. Donc, c'est pour montrer son problème qui l'a toujours. Mais et, heureusement, avec le temps, avec un pile recherche, il y a un pile solution que nous joignons. Et nous m'aimons pour pas faire tête dure. Prendre vaccin yo, et puis continuer, si ou son monde qui a risque, continuer à prendre précaution parce que je nous dis, COVID l'a toujours. Exactement. Merci, Dr. Durandis. Ah, mais la science toujours avancé. Comme tant qu'aujourd'hui, il y a un pile qui vient qu'on y a. Ça veut dire que ce n'est pas seul vaccin. Il y a un pile là, etc.
Merci en pile. Mais avant de continuer, nous avons dit merci ensemble avec l'association qui sponsor show Cause et Santé avec Hannah. Nous avons The Miami Foundation. Nous avons United Front of Haitian Diaspora in collaboration with Morehouse School of Medicine, as well as the National COVID-19 Resiliency Network. Et pour ne pas oublier tout, avec Mme Solid Anna, qui toujours a supporté toute activité en affaires, inclus cause de santé. Le sujet à nous pour le débat jeudi, hein, c'est ça nous appelle asthme. En bon créole, nous appelle ça oppression. Oppression lui-même, c'est une maladie qui affecte les poumons. On joint ça assez souvent dans tout le monde, mais ça ne veut pas dire que grand monde pas gagné tout. So, pour débat sujet ça, on a demandé au docteur Durandis, qu'est-ce que ça exactement oppression? Oppression. Oui. Bon, oppression aujourd'hui, hein, c'est une condition qui affecte monde presque surtout tout le monde, mais grand pile grand monde tout que ça arrive. Alors c'est une condition côté et poumon et monna. Et ça a les bronchiaux, yo antigen fermé et mon a vient sentir que li gen problème pour respirer, li permettre que mon a gen ça a les li senti que pou gen moun ki zo yo gen ça nou rele en anglais wheezing, ça veut dire mon a gen li senti c'est comme un chat k'ap rele sous l'estomac li. Et ça ça fait c'est parce que bronchiaux qui c'est canal côté air là aller dans poumon, yo vient serrer non point côté pour l'air la passer, c'est quand vous tape souffler dans bouteille et puis les mais très serré. Donc ça vient ba mon un problème pour respirer. Donc mon a obligé respirer rapide et pour le cas continuer fonctionner. Donc condition ça en général il paraît qu'il y a monde et le plus souvent il lié avec allergie et que et ça nous connaît les mon ka gen ça relon terrain allergique, ça veut dire les gen tendance pour faire allergie, ça c'est surtout quand il y a des gens. Et surtout si son petit monde qui gagne parents qui souffre d'asthme ou bien qui gagne parents qui fume une cigarette, ça très important, ou bien qui vivent dans une zone côté grand pile pollution. Donc tout ça au cas fait que ça arrive et quand un petit monde, mais ça arrive tout quand un monde qui est âgé, quand un grand monde côté ça arrive il y a le même problème là. Problème pour respirer tout le temps. Soit mon a poussé, gen le monde c'est juste les tout en a poussé et que ça c'est constant et oppression manifestée. Donc c'est un problème et qui affecte un pile monde. Parce que fond dit gen à peu près 300 millions monde dans le monde qui souffre d'asthme et malheureusement malgré traitement, malgré tout ça, gen une quantité de monde chaque année qui mourit de complications de asthme. Exactement. Merci un peu, Dr. Durandis. Alors, Dr. Durandis lui-même, il fait prévention. So, dans la clinique, là, on fait prévention pour make sure que les patients prennent les médicaments à l'heure pour pas capable pour pas gagner en attaque. Mais si les patients arrivent à gagner en attaque, c'est définitivement nous gagnons nurse practitioner qui sont critical care nurse practitioner. Le plus souvent, ils prennent soin patients qui gagnent asthmatic attack. Exactement, dis-nous qui est sévère. Les oppressions antigènes sévères, ils sont obligés d'aller dans l'emergency room parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Ils ont besoin d'additional aide. So, comment critical care nurse practitioner, Sandy? On va dire aux gens là, deux, trois, qui j'en comprends sur les patients, etc. OK, so. Excusez, créole, moi pas tellement belle, même gens avec docteur avec. Bon, ma PC. Les patients arrivés dans emergency room là, et moi-même c'est ICU. Il y aurait les ICU parce que les patients a besoin plus suivre mon pour voir si ils a besoin aller sous the ventilator ou soit if they're going to need to have an ABG to be assessed and have some other intervention. So one of the most important signs people need to realize, as Dr. Durandis said, when they're coughing and they're wheezing and they're using their accessory muscles, meaning ou wè vent yo ap ale an lè an pil, ou wè nen yo ap ouve, and ou tande wheezing la,
pour nous-mêmes, ça c'est un bon signe parce que ça veut dire que le patient a compensé. Mais si vous avez tout accessory muscle using and you're pas wheeze, ça c'est un emergency, il est très grave. Non, expérience pas moins. Nous just intubate patient là, nous mettez patient là sous the ventilator. So, exactement ça, les time et diminuer, c'est que l'important pour prendre médicament, pour pas arriver dans l'état pour venir au hôpital. So, yes, c'est très important pour prendre. Tout le monde a différents traitements parce que et tout le monde n'a pas le même level of asthma. Il y a des gens qui ne prennent pas de médicaments, ils prennent seulement un short-acting beta agonist, like albuterol. Ils se sentent pas bien. Il y a des gens qui prennent un long-acting beta agonist chaque jour pour maintenance. Donc, c'est très important pour les patients, pour les médicaments et les docteurs en prescrit pour lui. OK. Merci, Sandy. Docteur Durandis, qui est-ce qu'on est capable de faire connaître que les gens ont asthme? Parce que vous avez plusieurs types de patients. Oui. So, qui est-ce que si un patient vient de côté et pour même au diagnose lui ensemble avec asthme? Pour connaître qu'il fait asthme. Ou bien opposition. Comment on est capable de faire connaître qu'il y a asthme? Exactement. Bon, en général, et façon qui est plus facile que alors qui est le plus souvent j'ai mon présenté, c'est que mon a un problème respiratoire. Ça veut dire qu'il y a un problème et mon a un souffle qui est en l'air. Ça veut dire n'importe ça l'a fait les bouquets et le bouquet comme ça, ça a fait alors un docteur ou bien un provider, un nurse practitioner pour qui ça. Et puis à partir de ça, il a fait test pour lui qui a montré ses asthme. Il y a une autre façon que ça a présenté. C'est-à-dire que les gens, surtout les gens, ils ont l'autre signe d'allergie. Ça veut dire qu'ils ont la poule tout le temps, ils ont la fête de l'eau. Et puis, je nous dis, le plus souvent, les gens sentent qu'ils ont un bruit, ils ont respiré. Qui fait, c'est quand ils sont chats, je nous dis, qu'ils ont la sur l'estomac. Maintenant, là, ça arrive. Donc, ou bien, ils ont tout à toussé. Et ça arrive surtout les gens qui sont âgés. Donc, ils ont juste toussé, ils n'ont pas senti souffrir en l'air, ils ont juste toussé, mais ils n'ont pas compris pour qui ça. Et le noir, c'est à cause d'asthme. Maintenant, à partir de ça, il y a des tests que nous avons fait pour nous garder pour moi. Maintenant, c'est des tests que les pulmonary function tests. Mais on t'a dit, on fait son plus simple, on tient un tube que nous avons soufflé là-dedans, que nous avons testé sur les spirométries, qui permet que nous voyons qui quantité d'effort que mon a fait la respirer, qui a dit nous que mon ça peut-être les cas fait asthme. Et puis il y a l'autre bagage tout, c'est que là nous venons ça nous cabaye mon des médicaments. Médicaments ça aurait les bronchodilators en anglais ça au fait c'est que j'en ai dit un et canal qui mène à l'air pour moi qui serré li ouvril. Donc si nous bay moun nan médicament sa yo et que nous elle améliorer, ça tout ka permettre nous connait que moun sa c'est oppression le fait parce que li répond à traitement ça. Donc c'est comme ça mais pour et m'ka dire tout nan surtout en Haïti, moun yo dès que yo gen une façon yo moun nan souffler en l'air c'est tout ti moun ou et je nous dis les senti chat après les sous l'estomac li la tousser en pile moun yo même yo ka wè yo dit ah ben c'est ti moun sa gen oppression mais faut la wè docteur. Donc c'est le plus souvent c'est comme ça et que nous ka fait et diagnostic de moun qui fait asthme merci ou bien oppression s'il vous plaît bon comme n'a comme je en English nous ka dit ni asthme ni oppression et ka dit ni oppression parce que audience là habitué ensemble avec English nous là nous a parlé ça qui est important c'est pour tes informations pour et puis c'est pas n'importe information information qui est solide, information qui sortit d'un expert, avec information que monde qui actuellement prend soin patient, ce monde qui connaît exactement ça que y a dit. So Kringlish, audience là pas un problème à ça avec ça. So tant que j'en te dis, j'ai docteur Durandis te dit avant, gagne plusieurs sortes de triggers tant que monde qui fume, si tu monde arrêté dans kay qui gagne mode la donne, qui l'autre facteur qui le trigger qui capable bail en monde ni ti moun ni grand monde
asthma attack qui capable trigger mon n'a pas respirer bien avec oppression. Gain plaisir triggers par exemple Léon mon grippé yo ka fait un asthma attack ou soit yo nourri les exacerbate asthma exacerbation COVID pneumonia environmental par exemple les mon gain ravette poussière et mold mildew si yo travaille en côté qui yo travaille avec chimique et bagay sa yo irritate the bronchioles and then it triggers the asthma attack. Also hormones, pregnancy, le moun gen regyo, the hormone fluctuation can do that. Medicaments, medicaments pour beta blockers, like non-selective beta blocker, NSAIDs, and also le moun gwo tou. Là yo go yo fait sleep apnea again plusieurs triggers so it très important pour moun konnen identify what the triggers are. Wow, ça c'est bonne information, c'est pas tout moun qui connaît exactement qui ça qui capable trigger parce que gon paquet bonne moun qui fumait maman papa qui fumait et puis qui vraiment oublié que ces petites fait asthme pas oublié non alors on sort de négligence c'est pas ça et puis au capable et puis c'est le sentiment on vient à l'emergency room parce que les gars ont asthma attack à cause de the smoke. Another thing I wanted to add to that. I learned too si on moun fait food allergies food allergies directly li pa cause asthma attack mais it's like a secondary it's in response le wap fait manger comme si moun lan fait allergie avec seafood or something la fumée or l'air si moun lan inhale li ka also and trigger that asthma attack as well because of the chemical. Okay. So, Dr. Durandis, qui sont de preventative measures ou capable ou qu'on habitue à dire passion yo et pour capable dire audience là qui a regardé nous là, qui sont de preventative measures, qui sont de précautions pour empêcher un monde gagner asthma attack. Bon, fait bien dit mon yo, là on a parlé de asthma attack, ça veut dire c'est l'oppression et by plus problème. Exactement. Ça veut dire, et le plus souvent, ça arrive si son moun yo te déjà diagnostiqué, qui pas prend médicament. Donc, premier barrière, c'est prendre médicament. Deuxième barrière, c'est continuer à suivre avec les médecins ou bien nurse practitioner pour qu'on continue à monitorer sous table pour qu'on si asthme vient plus grave, c'est-à-dire si pour ajouter l'autre médicament, pour ajuster le médicament en façon pour contrôler. Ça, c'est premier barrière. Deuxième barrière, nous souhaitons parler tout à l'heure de triggers, ça veut dire bagaille qui ka fait et ou ka gen et asthma attack. Yon nan bagaille que nous parler qui très important, c'est cigarette. C'est-à-dire si on moun ou fait oppression, définitivement ou pas vle continuer fumer. Faut qu'on campe cigarette là. Si tout c'est un petit moun qui la ka ou qui souffre oppression, faut qu'on ta campe cigarette là parce que li pral faire que tout temps que petit moun nan ou bien ou même tout pour quelqu'un et oppression cap monter sur qui fait qu'on est obligé à l'hôpital. L'autre bagage encore c'est éviter bagage qui gagne pollution. C'est-à-dire on est zone côté grand pile la fumée et bon heureusement et bon ici il y a pas toute la gagne boule caoutchouc mais c'est une bagage et tout qui ca et qui ca cause ça. Bah vraiment ouais boule caoutchouc. Oui, qu'on gagne boule caoutchouc tout côté. Oui, alors l'autre bagage encore c'est nous t'a parlé de allergie. C'est-à-dire si mon n'a fait une allergie avec un produit ou bien on manger, si ou ca éviter ça tout, ça c'est des bagages qu'on ca fait qui ca empêcher qu'on gagne asthma attack. L'autre bagage c'est pour nous dire en termes de prévention, nous connaît et monde qui fait oppression, leur font grippe ou bien si yo t'a fait COVID. Les gens sont plus graves que les gens qui n'ont pas de conditions. Ça veut dire si nous avons une saison et flou, ça veut dire que nous avons un vaccin et pour grippe, ou tu as souffert d'asthme, ou tu as supposé prendre vaccin. Même si tout, COVID, si vous faites asthme, c'est une raison en plus pour prendre COVID, et si, pour vaccin. Prendre vaccin pour COVID, parce que
ça mettait au risque. Donc c'est surtout ça nous quasi mounio, mais ça qui pi important nous connaît qu'un café c'est éviter cigarette là, surtout pour ti mounio, parce que c'est un bagage que ou même moi fumer ou souffrir asthme et que la bon problème. Mais le wap fume, et puis à cause fume, on a son petit monde que le fait et que le bain et on a son attaque. Même mon grand monde qui a vécu avant tout. Donc, les pides du tout. Donc, nous encourageons mon yon. Soit fume, camper sans, et si vous prenez vaccin, encore prenez vaccin. Yep. Et c'est pas sel et cigarette, tabac, c'est marijuana. Oui, vaping, tout ça au fumé, tout ça au fumé qui pas bon pour ça. Exact. Ouais, c'est un différent point qui est vraiment valable parce que il parle de vaping. Moi-même, le moins patient, le m'a demandé est-ce qu'on fume, est-ce que toujours dit non. Et puis l'aime dit comme ça que est-ce que vous vape. Il dit oui. Tant que ce n'est pas fumé, il fume. Bon. Et puis, il fait plein tabac. Oui. Tabac tout. Exactement. Parce que moi, je dis, ah non, donc, je ne vais pas fumer, non? Mais il m'a demandé, est-ce qu'on compte prend tabac? Oui, oui. Donc, tout ça, c'est des bagages qui ont cause à ce moment exact, yeah. Exactement. Mm-hmm. C'est vraiment important pour nous de connaître exactement qui ça, pour nous stay away from, pour ne pas avoir un asthme attaque. Et puis, si vous avez une pression, tout, ça, c'est plusieurs facteurs pour être capable de diminuer pour condition pas venir worse pour poumon pas venir worse pour pas venir piment exactement. So Sandy, comme un nurse practitioner, un critical care nurse practitioner, qui lot de advice ou capable de audience là qui a regardé nous là pour yo faire ou bien pour yo pas faire de quoi pour pas venir joindre une salle d'urgence à emergency room ou bien un critical care, qui sorte de advice ou capable bayo conseil. So as we mentioned before, pour un médicament, docteur prescrit éducation pour patient avec famille pour yo éviter toute bagaille qui ca trigger ou fait asthme vin plus grave. M'te mentionné et l'air trop gros et ça a aggravé asthme. So au café exercice, mais y a un exercise induced asthme, but ça pas une excuse pour pas faire sport ou faire mouvement avec corps. Y a une solution pour ça. Ou qu'à parler avec docteur pour faire safely exercise. Ça sont bon point au fait parce que tant que j'en dis même les docteurs du indice dit même bagala les mon antigen gros les at risk pour oppression vin pi mal. So ça qui est important c'est puis mon fait toute ça capable pour perdre du poids tant que j'en dit ou capable pas qu'à faire exercice 3-5 fois par semaine, mais ou capable de regarder télévision et pour gagner une bouteille d'eau dans mon ou à faire des exercices, etc. Docteur Durand, dis-moi où tu voulais ajouter ton bagage. Oui, alors, ça me voulait dire, surtout les monde qui souffrent d'asthme, il y a un bagage qui a empêché que aller dans l'urgence. C'est, nous avons parlé tout à l'heure de médicaments. Il y a des monde, il faut qu'on a toujours assuré que les gens ça veut dire un nébulizer. Ça veut dire qu'ils sont des machines que si mon n'a senti pas qu'à respirer, la toussé en pile et les gain wheezing ni qu'à prendre et puis qui qu'à soulager. Et il est très important que mon a toujours marché tout avec une pompe. Ça nous veut un rescue pump. Ça veut dire son bagage quelqu'un bé là, si en cas les gon attaque et que n'importe côté que lié les qu'à utiliser, les qu'à utiliser non seulement pour gain nébulizer à la caillou. Mais pour marcher avec pour plan tout côté pour aller parce qu'on pas connu killer ou qu'a gagne en attaque. Exactement. Mais c'est pas seul nebulizer avec inhaler, moi crois que on prescrit l'autre pile tant que singulier etc. Pour passer en prendre tout chaque jour. Exact, pour en sorte de prévention pour pas arriver dans stage les que pour pression les mêmes les vins plus mal. Nous j'ai gon l'homme d'avoir notamment la Haïti dans medical mission et puis nous t'ai gagné une passenger qui était actually was having an asthma attack but of course na
dans l'avion, il y a des nebulizers, il y a des arbitraux, des traitements, etc. Et puis, je parle avec lui, je me demande est-ce qu'il y a des médicaments, est-ce qu'il y a des machines avec lui pendant qu'il y a les en Haïti pour qu'il prenne, c'est que c'est un problème, il n'y a pas de gain. Et nous déjà connaissons que les gens qui font asthme n'ont pas arrêté dans le côté qui est trop chaud parce que nous, tous les deux, nous sommes parlé de environmental factor. So, environmental factor, trop chaleur, you know, c'est une raison qui est capable de faire passer un gain en attaque ou pression. C'est vraiment important pour nous connaître exactement quel type de médicament pour toujours gagner, pour si en cas que ou capable d'aller à l'hôpital, mais at least ou gagner un nebulizer ou un inhaler ensemble avec vous pour prendre soin de tout. Encore une fois, nous avons dit merci avec sponsor Show Cause Santé, avec Hannah of Florida, qui c'est The Miami Foundation. United Front of Haitian Diaspora in collaboration with Morehouse School of Medicine and the National COVID-19 Resiliency Network. Et puis pour ne pas oublier dire avec mam solide na Hana qui toujours l'a supporté Hana qui c'est qui sponsor show en tout. Comme moi chef marketing, m'a tout prendre occasion ça pour moi dire si vous t'avez sponsor n'importe show cause santé ensemble avec Hana ou bien yon radio show avec cause santé avec Hana ou capable briller nous na 305 actually ou capable briller nous na numéro de téléphone Hana que ouais qui sur écran kounye là ou briller nous la donne ou bien ou capable email nous na info@hanaofflorida.org. So avant nous-mêmes finir ensemble avec Shoa, nous avons demandé à Dr. Durandis, merci. Grand monde commence à rentrer. Actually, nous avons pris un moment spécial pour nous dire Dr. Durandis, congratulations. Oh, Dr. Dr. Durandis, c'est une des récipients. Nous avons fait un 38th annual scholarship fundraising and awards gala qui est passé samedi dernier. Dr. Durandis, c'est une des récipients qui a gagné Advisor of the Year Award. Advisor of the Year Award. So nous avons pris le temps pour nous dire merci. Parce que toujours là pour Anna, n'importe les Anna Rilo, ou c'est une advisor qui est toujours là. Nous avons plusieurs, ils sont pas pour l'autre, ils font jalousie. Mais nous avons dit merci. Et puis Sandy lui-même, c'était une PASS scholarship recipient dans Hana of Florida. Scholarship. So, well, il est bon. Non simplement, il était un recipient years and years ago, quand il y a nurse practitioner, il a toujours été un membre, et puis il portait her knowledge. Que lui apprendre en plus pour venir aider nous dans l'association. So vraiment, les que nous investis dans nursing students, yo toujours come back. Ouais, idée à c'est pour yo come back pour aider l'association, pour faire l'association plus solide. Alors, nous pas arrêter trop de temps, nous arrêter seulement en minute. Dernier mot, Dr. Durandis. Bon, ça me plaisir. Je ne t'ai pas dit sur. Pour les gens qui font oppression, nous disons que prenez des médicaments et surtout les gens qui peuvent vacciner pour COVID, c'est très important pour vacciner. Mais sur l'autre niveau, je voulais dire merci avec Anna pour toujours belle opportunité que vous avez toujours nous pour partager avec la communauté et information sur la santé. Et encore une fois, je voulais féliciter Anna pour la belle fête que nous faisons. Alors, ce n'est pas seulement en fait, fun bien Zimounio, c'est son activité que nous faisons pour nous bailler et l'autre jeune chance pour y venir, infirmière, pour y travailler. Pas seulement ici, mais en Haïti. C'est un bail qui toujours manque. Et vraiment apprécier ça. Et me souhaiter nous continuer pour des années et des années encore. Dernier mot, Sandy, nous étions 30 secondes. Thank you so much for having me on the show. As you said, it's a pleasure. As a student back in way back when, and Hana supported me, so it's a pleasure for me to give back and be a part of
of Hannah. Of Hannah. Merci, pour, merci avec tout le monde. Mille merci et puis n'attendons semaine prochaine. Bye bye. During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together.